Eh bien, salut à tous, aujourd'hui, vidéo sur Pixelvan, on va parler du stream et aussi du patch note. Beaucoup de choses à vous dire et honnêtement, que des bonnes choses, donc c'est parfait. Franchement, bien joué Smilegate, beaucoup de très bonnes annonces, non seulement en termes d'unités, mais aussi en termes de features et de fonctionnalités qu'ils ont ajoutées, qui sont super appréciables. Déjà, je tenais à remercier les 1800 personnes qui sont passées sur le stream. Vous étiez juste super nombreux, on a réagi à ça ensemble, c'était énorme. Pour ceux qui ont loupé du coup cette vidéo, et pour vous, pour le récap de tout ce qui s'est passé en stream, de ce qu'il va arriver cette semaine, mais aussi la semaine prochaine, et aussi dans les deux semaines. Également, pour ceux qui ont loupé le lien du sondage, je mettrai le lien du sondage dans la description pour avoir 300 000 gold et 3 leafs. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais on va tenter, donc il sera dans la description. Ça se trouve, il sera fermé, mais peut-être que vous pourrez réussir à gratter quelques gold et quelques leafs, on sait jamais. Donc parlons de ce qui va arriver déjà cette semaine, et après on parlera de ce qui va arriver prochainement. Cette semaine, il n'y aura pas d'unité limitée, donc ça vous êtes prévenus, ça sera la semaine prochaine. Donc on aura du coup le début de l'histoire secondaire, l'ordre sacré de la Croise Bleue et l'île mystérieuse, avec en tête d'affiche Shufine, Akates, Momorensi, Angelica, Clarisse en retrait et Mui en retrait. La Side Story durera 3 semaines, du 23 juillet jusqu'au 13 août. Donc 3 semaines de Side Story, c'est assez rare qu'on ait 3 semaines. Généralement c'est 2 semaines et là ça sera 3. La première semaine en fait on aura l'île de vacances de Molly qui sera disponible, la deuxième semaine l'île au trésor secrète et la troisième semaine l'île ténébreuse des pêchés. Donc en fait chaque semaine correspond à une île en plus. Les personnages boostés du coup dans l'event seront Yuffine, Mui, Akates, Angelica, Clarissa, Momorensi et Myrsa. Les artefacts qui vont vous faire gagner plus de ressources seront le Fantasia de Cirque, donc logiquement l'artefact de Mui, le Super Mega Beast Pistolet d'eau, qui sera du coup un artefact en récompense, et aussi un autre artefact limité, mais du coup ça on en parlera plus tard. Donc là, vous pouvez voir déjà qu'on a un sprite d'un personnage ici, sur du coup l'entrée de l'île Mouli, et c'est en effet du coup Yuffine Plage, pas Yuffine Plage, ça a un autre nom, mais ça du coup... Et on la verra quand j'aurai fini du coup d'énumérer un peu toutes les informations qu'on a dans le patch note cette semaine. Donc on aura un album à remplir, avec justement des cases, on pourra avoir des récompenses. Donc là, j'ai compté 6 équipements, et 2 bons équipements ER, et des équipements attaque. Donc c'était plutôt bien dans l'ensemble, avec l'artefact et un Molagorago. Donc très bien, Goldstone, Molagorago, Skystone, Bookmarks, Catalyzer, équipement, très très bien. Donc on aura du coup 4 difficultés, facile, normal, extrême, infernal. Je farm personnellement en mode normal pour l'XP. L'artefact super méga pistolet à eau, donc en gros, augmente l'attaque de tous les alliés de 5% et leur efficacité de 10%. C'est un artefact qu'il vous faut absolument. Alors, pourquoi? Pour les run one shot. Il vous faut cet artefact. L'efficacité pour les BDF, l'attaque pour les run one shot pour augmenter l'attaque de vos alliés, il vous faut l'artefact, il est gratuit, il faut le farmer, il faut le maximum break, il est super important pour les run one shot. Vous devez vous le procurer. C'est pour ceux d'ailleurs qui ont loupé la carte des petits miracles à l'époque, durant l'event de Noël. Ensuite, on aura l'ouverture de la saison de conflit, qui débutera le 27 juillet sur Europe et Global. On aura donc les cadres de récompense de la saison de détermination, donc de cadres pour légendes, champions, etc. Plus on va dire les places en fait, c'est différent, c'est pas comme la RTA, là c'est plus on va dire si vous êtes dans le top 100 ou pas plutôt. Également, vos armoiries de gloire vont être échangées contre un point de conquête. 5 armoiries de gloire valent un point de conquête. Voilà. Et voici l'équipement qui va nous être donné durant cette saison. 6 items immunité. Alors, on va voir ça ensemble. L'arme peut être bien, juste que l'attaque peut troll, mais la santé, la vitesse, le R, excellent pour ce genre de personnage. Donc un personnage qui du coup sera aspect défensif, utilitaire. Donc si vous proquez attaque, c'est dommage. Le torse, excellent, juste que l'effi peut troll, mais globalement c'est excellent. Le casque, santé, défense, ER, c'est très bien, CC, un peu moins. Donc les critiques peuvent vous troll, le reste est excellent. Bot vitesse, qui du coup vont donner 45 de vitesse, vu que c'est considéré comme un item reforge. Je suis assez mitigé parce qu'on a santé, ER qui est bien, mais attaque et efficacité qui sont un peu moins bien selon les personnages. Le collier, dégâts CC, immunité, attaque CC, mais aussi ER et santé, donc qui peut hard troll. Et l'anneau, santé pour 100, avec vitesse très bien, ER très bien, défense très bien, mais critique qui peut troll. Voilà. Donc on a globalement des items qui sont bons, mais qui peuvent aller dans des stats qui sont assez embêtantes. Pour une fois, ce n'est pas l'ER qui va vous embêter, mais c'est plus l'attaque pour 100, l'efficacité et les critiques. Le R, au final, est le bienvenu. On aura aussi un pass épique saison des vacances 2020, donc avec des cadres, tout ça, avec aussi Akates, donc c'est 900 Skystone pour avoir les récompenses premium, c'est worth it, c'est bien de le prendre, et 900 de plus, là c'est purement cosmétique, avec le skin d'Akates, éclat d'azur d'été Akates, qui est un skin du coup qui est plutôt ok en termes d'artwork, malheureusement, l'animation ne change pas beaucoup parce qu'il y a toujours un fond noir, vu que c'est une unité qui est assez ancienne, et c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'ils mettent un background d'été justement derrière, mais ce n'est pas le cas. Donc vous pourrez évidemment remplir les objectifs du pass en faisant de l'arène, des labyrinthes, des raids, l'abysse et en jouant tout simplement. C'est assez simple.
Voilà, donc ça c'est l'amélioration. 900 Skystone pour le premium et 900 de plus, donc 1800 total pour Akathes. Donc on aura des talismans, des coffres de catalyseurs, des gold, des pierres d'émission d'argent, des pierres d'émission de gold, un cadre, des leafs, des molagora, des stigmates, des pingouins. Et du coup le skin si vous l'achetez. Voici le skin, hop. Ensuite, cette semaine au niveau bannière, on aura une dual bannière. Rate up Belenater avec éventail de fer. Et rate up Violette avec talisman de Violette. N'invoquez pas pour ces deux personnages là. Vous allez vous faire bait parce qu'il y a tellement mieux qui arrive juste après. Également, on aura du coup les voix japonaises. Donc les voix japonaises de Belena Plage, de Lilibet, de Céline, de Lady Carimpy, de Furious et de ML Roman. Et on aura des familiers saisonniers qui seront là du coup du 23 juillet jusqu'au 6 août. Donc on pourra les invoquer. Ensuite, ils vont ajouter les lobbies pour les combats amicaux. Ce qui veut dire que vous pourrez entrer jusqu'à 20 dans un lobby et vous pourrez être un spectateur sur les gens qui s'affrontent. Donc enfin, le mode spectateur en soi est là. Également, sur le stream, il avait été dit que c'était inter-serveur. Donc on pourra s'affronter cross-serveur, mais également on pourra regarder le match. Donc ça, c'est excellent. Excellent. Et aussi, je vois qu'on peut changer le salon, ou plutôt le background. Là, on voit qu'on se bat dans près d'une forêt, au lieu du coup de l'arène standard de la RTA. Donc excellent. Également, c'est la disparition des deux packs rank-up qui sont là depuis le début du jeu pour l'ajout de nouveaux packs rank-up. Voilà, de nouveaux packs rank-up qui sont alléchants. Je vous le dis, c'est alléchant, donc à vous de voir si vous le prenez. Tamarine, du coup, rejoint la boutique d'apparence. Ensuite, depuis la répétition de combat, on pourra voir directement si on a des missions urgentes et aussi si on a des procs d'expédition, donc très bien également. On pourra désormais maintenant crafter nos items, plus à l'unité, mais maintenant x10. Donc on pourra dépenser autant de gold, mais ça sera beaucoup plus rapide. Donc c'est plutôt bien, plutôt bon ajout. Juste pour la rapidité du coup des sessions crafting, c'est plutôt bien. Ensuite, passons aux ajouts qui vont arriver dans les jours à suivre et dans la semaine à suivre, dans les semaines à suivre. Premièrement, on va commencer par Yuffine. Alors Yuffine Plage, je tiens à dire que son S3 est tout simplement somptueux. Il est magnifique. Yuffine, pas Yuffine Plage, elle s'appelle Holiday Yuffine. Donc Yuffine Vacances. Vraiment, vraiment excellent. Le S3 est un des S3 préférés. Vraiment, il est bien plus long qu'en fait que les S3 habituels. Et vraiment très bien travaillé. Une guerrière de type feu. Donc j'avais raison sur ce coup-là. Je suis content. Type feu. Libra, donc balance. Attaque 1119. 6266 de HP. 109 de vitesse. 627 de défense. 15% de crit. Et puis c'est tout. Imprint, HP en libération. Et en focalisation, attaque pourcent. Alors, c'est un counter. C'est le plus gros counter de Bassar. Counter absolument bassard, pourquoi? On le verra dans une vidéo preview quand on aura les multiplicateurs, mais juste regardons. On a un skill 2 qui réduit les effets de pushback des sorts sur vos alliés de 30% et ça monte à 50% en plus 5. Donc quand bassard sert push, ou plutôt pushback de 30%, ça sera plus que de 15%. C'est un passif. De plus, si Yuffine est max HP, son esquive augmente de 50%, ce qui veut dire que Bassar aura 100% de chance de miss Yuffine. Pourquoi? Parce que Yuffine est de type feu, Bassar de type terre, donc il a déjà 50% de chance de base, plus du coup le passif, donc Bassar ne pourra pas pushback Yuffine. C'est impossible qu'il le fasse. De plus, quand il va pushback les alliés, ça va réduire de 50% ses effets. Et ça combote avec le S3 parce que le S3, 5 tours de recharge mais ça passe à 4, va cleanse vos alliés de 2 debuffs, donc enlever l'Abyssal Crown mais aussi l'anti-buff, va attaquer les ennemis, va donner un buff attaque supérieure à Yuffine pendant 2 tours, et va serre-push vos alliés de 20%. Donc vous allez complètement nullifier l'effet de pushback de Bassar avec Yuffine. Et c'est, je pense, le plus gros counter. Même pas besoin en fait de jouer avant Bassar, vous pouvez jouer justement après Bassar, donc c'est même pas un personnage qui se base sur la speed, full speed, et vous allez counter Bassar. Donc il est là. Le counter tant attendu de Bassar, il est là. C'est vraiment le plus gros counter sorti à ce jour pour Bassar. Le skill 1, 65% de chance de mettre une brûlure pendant un tour. Et quand Yuffine va attaquer avec son S1, quand ça sera son tour, donc pas, ça marche pas en duel attaque, ça marche pas en counter, etc. Eh bien, l'attaque passera en AOE. Donc vous avez 65% de chance de mettre un burn en AOE pendant un tour, quand c'est Yuffine qui tape à son tour avec le S1. Ah d'ailleurs aussi, j'ai oublié de vous mentionner pour Yuffine, pour un petit ajout, son skill 1, quand c'est elle qui attaque à son tour, Yuffine plage, ignore l'avantage élémentaire et le désavantage élémentaire. Donc ça, c'est juste un petit truc qui la rend encore plus forte. De plus, l'artefact qui est broken parce que l'artefact en max limit break, vous allez voir votre effet augmenter de 30%, mais en plus, vous aurez 26% de chance de stun pendant un tour après une attaque basique. Et donc, Yuffine aura 26% de chance de stun en AOE avec son S1 quand elle jouera. Yuffine, plage ou holiday Yuffine, Yuffine vacances,
juste avec son kit, me paraît complètement OP en PVP. OP contre la méta, à voir du coup sans bassard ce que ça donne. Mais en tout cas, vraiment très forte actuellement. Passons maintenant à ML Izeria. There was a time I was known as the Knight of White Flowers, the Keeper of Oaths. But now I am cursed. I'm at my limit. I will end everything. Juste trop belle. Elle est magnifique. L'animation, je pense que elle aussi a une de mes animations préférées niveau S3. Elle est somptueuse. Donc c'est une Ranger Dark. 1182 d'attaque, 5300 d'HP, 114 de vitesse, 571 de défense, 15% de crit et 18% de défi, attaque pourcent en release et en concentration. Son S2 est un passif qui maxé, en fait, va faire en sorte que vous allez ignorer 35% d'esquive. Donc ML Cartouja, Rayolette, MLDB, Mirsa, Violette Terre, vous êtes prévenus. En plus de ça, une attaque appliquée sur un ennemi va faire des dégâts supplémentaires, un peu comme le drink de SSB, et les dégâts sont fonction de l'attaque de Izeria. Le S3, attaque AOE, 4 tours de recharge, attaque AOE qui va strip tous les buffs, et c'est un strip, c'est complètement OP en PVP. En plus, il y aura 85% de chance de break attaque et d'anti-buff pendant 2 tours les ennemis. Le Soul Burn pour Diam, qui augmente les dégâts infligés. Donc en plus, dites-vous que le S3 va proc le S2 comme l'effet du drink, et en plus, Izeria est une ranger et elle peut équiper le drink. Donc vous pouvez potentiellement faire double drink avec le S3. Ok, en AOE. Et même, un strip de masse, debuff attaque, debuff anti-buff, c'est OP. C'est vraiment trop fort dans la méta actuelle. C'est vraiment excellente. Et puis, on passe au S1. Le S1 a 75% de chance de break def pendant un tour. Et c'est tout. Mais c'est déjà super bien. 75% de chance de break def pendant un tour sur un personnage qui va avoir beaucoup d'efficacité, c'est monstrueux. Donc voilà, c'était ML Izeria, juste excellente. Ok, maintenant passons à ce qui a été annoncé plus tard. Alors, on aura vendredi une preview d'un patch équilibrage qui sera annoncé, donc je ferai une vidéo là-dessus qui va résumer tout ça. Donc résumer surtout en fait les équilibrages, les buffs et peut-être les nerfs, c'est à voir. La méta PVP va changer avec ML Izeria, Yuffie et Plage, les équilibrages, ça va être vraiment complètement changé. On aura également un free equip du 23 juillet jusqu'au 26 juillet pendant 3 jours, voilà ça c'est bien. Et puis une très très bonne nouvelle concernant les Molagora. En gros, pour les Molagora, ce qui va se passer, c'est que, vous savez, vos affinités avec vos héros, ça ne sert pas à grand chose à part du coup d'avoir des expressions. Maintenant, vous pourrez gagner des points d'amitié, de l'intimité, en faisant de l'arène, de la GVG, des labyrinthes. Donc déjà, c'est bien. Vous allez gagner 3 points de skill quand vous allez atteindre le niveau 10 avec un personnage. Très bien. À quoi servent ces points de skill? Vous pourrez améliorer les 3 premiers niveaux de chaque skill de vos personnages avec des points d'amitié et plus avec des Molagora. Et donc, regardez tous vos personnages qui sont 10 en amitié. Dites-vous que pour chaque personnage 10 en amitié, vous allez récupérer 3 points d'amitié et donc littéralement 3 skill up. C'est absolument formidable. Et en plus, tous les Molagora qui ont été dépensés à l'époque justement pour augmenter les 3 premiers skills, les 3 premiers niveaux de chaque skill vont vous être remboursés. Donc, on aura plein de Molagora et ça sera bien et ça demandera beaucoup moins de Molagora pour maxer un personnage. Et surtout, les points d'amitié, ou plutôt les points d'affinité, vont servir à quelque chose parce qu'on pourra directement skill up nos personnages. Donc c'est un excellent ajout Smilegate, vraiment pour la prospérité d'Epic Seven, c'est ce qu'il nous fallait. C'est potentiellement le changement le plus important, autre que du coup que les annonces de Yuffie, Izeria, tout ça. C'est vraiment pour la longévité du jeu, un très bon ajout. Excellent ajout. Merveilleux. Et donc écoutez, sur ce, je pense que j'ai tout dit. C'est un très bon patch, très bon stream. Vraiment, je suis vraiment content là pour le jeu. Belles unités. Il y a des cinématiques qui étaient vraiment stylées, d'ailleurs que je vous montre actuellement. Bon ajout pour les Molagora, bien pour les RTA, rien de négatif à dire. Vraiment rien de négatif à dire pour ce patch note et pour ce qui va arriver. J'ai la hype du coup pour les équilibrages qui seront dévoilés le 24. Et puis sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur Epic7. Dites-moi ce que vous avez pensé du coup du patch dans les commentaires, de ce qui vous a plu le plus hypé, Yuffie, Izeria, les Molagora, tout ça. Et puis aussi n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Discord et Twitch. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, à plus.